Salut, c'est Stéphane. Bienvenue sur cette petite vidéo sans prétention où on aura fait test caméra, moto, préparation et tout pour notre futur voyage en Islande. Quand on part à 3, le quatrième est consigné à la maison. Des motos légèrement préparées quand même pour voyager plus que proprement le terrain pour l'instant. Deux sont en pneus d'origine, l'autre avec du motos à l'arrière et du mitas à l'avant. Donc nous sommes partis un samedi matin avec après une semaine de temps breton. Les chemins détrempés, de la boue partout, ce qui fait qu'on fera une partie du tête suisse depuis le lac de Bienne jusqu'à Porrentruy et ensuite de Porrentruy en France jusqu'à Lure. Hein. Pas tout à fait, puisque en fait, vu les conditions, on s'est dit que c'était inutile de se taper 4 heures de boue juste pour patauger. On peut déjà sortir les sangles ou bien? Hein, faut déjà sortir les sangles ou bien? T'as pris la poulie? Tu veux que je prenne tout dans la gueule juste pour... Espèce de sagouin! Ah, t'es pris en deux cailloux mon gars! Tu la mets pas de travers parce que tu vas te bousiller les rayons. Hein. T'es en train de monter sur du bois en fait. Ouais. Il y a juste qu'il arrive à me faire passer. Attends. Vas-y, ça y est, il veut faire son mat-aventure. Transpirer comme des couillons dans une merde, ça sert à rien. Hein? Là, même avec les enduros, ils hésitent. C'est vous qui m'avez dit que vous voulez faire le test, hein? Ouais. On y est. Non, si on cède pas là, on va pas y arriver. Non. Ça joue là, tu crois? Je sais pas. On va essayer de la poser après. On va essayer de la sortir de ton trou là. Ouais. Attends parce que je l'enlève pour pas que ça fasse plus de noeuds qu'autre chose. Ouais. J'ai fait trop fort.
envie de sécher. C'est sûr. Merci les gars. Combien 5 km t'as dit? On a fait quoi, 30 mètres? Tu veux pas la passer simplement autour des guidons? Non, je pense mais je la laisse là. Non, on la laisse là. C'est bien possible qu'on en ait gros besoin. Ah ouais. Alors par contre on peut l'attraper, c'est ça. C'était la première difficulté, elle nous a déjà bien réchauffé pour la suite du trajet. Au fur et à mesure que les kilomètres défilent sur les chemins, on s'acclimate, on commence à être moins surpris par ce déhanché de guidon permanent dans cette espèce de bouillasse. Et ça devient vraiment, vraiment agréable. On commence à prendre un tout petit peu plus de vitesse. Ça défile.
des petits soucis de smartphone qui prennent l'eau et de GPS du coup sans carte ou nous ont conduit à la mémoire de Stéphane qui nous a conduit à travers la forêt, les bourbiers, les dernières grosses difficultés qu'on a eu à passer et on a bien transpiré. Ah, t'es dans le trou là. Petite précision en termes de difficulté, c'est surtout à cause du terrain détrempé, bien sûr. Et on est deux, Stéphane. Voilà. Faut avouer que le monotrace boueux entre deux ornières, moi qui fais 1m70, c'est une première pour moi et je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Putain, mais même à pied on tient pas debout les gars. Hein? Même à pied on tient pas debout. T'as pas ta somme qu'on puisse la tirer un peu en avant. Parce qu'il faut pas qu'on aille dans de la fosse, dans la fosse. La poser, hein, la poser, ouais, pour la tirer posée, ouais, ouais, à mon avis. Là, puis si le pied est bien mis, puis qu'il fait pivot, on essaie de la remettre debout. Magnifique! Tiens! Non. Magnifique! Continue comme ça! Il ne manquait rien! Il a failli mettre un coup de pied dans ton pied, mais. Non. Ça joue? Et là-bas, là, tout le chemin? Ah, j'ai pas regardé après! Qui touche plus par terre après. Voilà pour cette première journée, ils passeront une bonne soirée avec un bon ragoût de sanglier. Et le lendemain, on prendra la route du retour, non sans passer par quelques petits chemins encore un peu encombrés, dont on viendra à bout. Se trouvait sur Wikiloc nous a emmené dans des bois privés qui en plus avaient été fermés depuis avec des tas de terre, des barrières, enfin voilà, on s'en sortira quand même. On a tous le même problème là, on a le pied qui glisse. Eh
Et on remontera sur la Suisse par la vallée de la Loue. Voilà, merci d'avoir regardé et à peut-être à bientôt.